chers amis, nous sommes à la patrouille numéro 2. On va patrouiller la deuxième plantation pour voir déjà à quoi ça ressemble. Et pour vous aussi vous montrer pour que comment on suivait ça au départ, vous essayez aussi de voir avec les difficultés, vous-même vous savez les difficultés que nous avons traversées ici. Bon, avant de vous connaissez la tradition, avant de commencer, qu'est-ce que je fais d'abord? Je m'en vais d'abord contrôler d'abord mes trésors. Voilà, on dit ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Voilà, ça c'est. Voilà, donc ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Waouh! Regardez vous-même le poivre, comment ça a produit la magie. Ah, c'est la, le travail, c'est la vraie magie, c'est tout ce qu'on peut dire ici. Le travail, c'est la vraie magie. Bon, regardez. Oh. Voilà comment ça produit à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est ça. On avait estimé le tonnage, non? Combien on pouvait avoir sur nos presque 10 pieds de poivre. Donc vous savez déjà. J'ai parlé du mâche de, si je prends 5 kg, ça fait 50 kg. Si c'est 10 000, 500 000, si c'est 500 000, ça fait 250 000 francs. Voilà. Quel est le coût de location annuel? Vous voyez? Plus même du coût de location annuel. Bon. C'est ça l'avantage avec l'investissement agricole. Quand vous êtes un investisseur assermenté, voilà comment les graines se forment, non? Voilà, vous voyez, c'est ça la graine là. Une fois passé, nous avons prélevé quelques, vous voyez? Ok. Voilà à quoi ça ressemble. C'est piquant déjà, hein? Très piquant même. Ah, c'est ça le poivre blanc de Pendja. On appelle ça quoi? On appelle ça l'or blanc. Vous voyez un peu? L'or blanc. C'est ça. Ok. Là, c'est nos poivres. Là, je filme d'abord les poivres. D'abord, vous voyez? Vous voyez comment ça produit la magie seulement, non? Vous voyez comment les poivres sont déjà formés. On attend que. À produire la cueillette là. Mais je vais vous montrer. Après, il y a un secret que je vais vous montrer ici. Parce que sais, les bandits me guettent déjà pour voler ça. Donc. Et quand ils me guettent, moi aussi je les guette aussi. Donc on va travailler en deux bandits. C'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer le secret. J'ai l'impression que le bandit c'est le poivre. Bon. Puisque si on ne va pas mettre un gardien, puisque c'est, on peut mettre un gardien sur 10 pieds de poivre, la charge fixe sera énorme. On voit un peu. Parce qu'au contraire, si c'était beaucoup, on pouvait. On voit là, c'est bon. C'est bon déjà. C'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, n'est-ce pas? Ok. Vous voyez comment tout est ok. Voilà. Donc ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Maintenant, voilà le cash flow qui est constant, qui vient chaque fois. Ce que je vous ai montré là, la papaye solo. Vous savez que le poivre déjà c'est une denrée rare, comme la papaye solo. Et c'est ça que nous investissons. C'est ça que nous investissons. Et ça nous donne des bénéfices chaque année. Ouais, ça c'est pour la période 2021. L'année prochaine encore, c'est toujours le même cycle. Hein. C'est ce qui est bien avec l'agriculture. C'est que c'est toujours le même cycle. Waouh! Vous voyez comment lui, il est encore tout petit, c'est fond. Quand tu vas finir, il sera tellement gigantesque. Ok. Vous voyez, j'ai demandé un peu, vous voyez comment on a fait un petit défrichage là. Ici, il y avait tellement l'herbe là. Là. C'est propre. Vous voyez, je n'ai pas utilisé les produits, les herbicides. Parce que vous savez, ce que j'ai traversé. Dans cette plantation, donc je vois très bien l'herbe qui est en train d'arriver là. L'herbe là se forme déjà, donc je vois déjà là. Mais comme je peux pas me permettre de prendre un risque pour commencer à faire encore les visites de nouveau, j'observe d'abord la plante parce que moi je n'aime pas quand il y a l'herbe dans ma plantation, mais à ce niveau s'il n'y a pas un problème, vous voyez. À ce niveau, ce n'est pas un problème. C'est normal. J'ai fait tous les remplacements qui étaient possibles. Maintenant, la plantation, il y a les plantes partout. Vous voyez un peu. Je les ai réactivés. Je vous ai vu. Ça va que je vous ai montré. Je les ai réactivés. Ils sont là, toutes les plantes. Elles sont là. Elles se portent déjà très bien. Il n'y a plus de problème ici. Vous voyez, la verdure est là au rendez-vous. Les plantes sont OK. Maintenant, le problème qui est ici, maintenant, c'est de faire comment de venir. De mettre la propriété ici. Bon, ici là, il y a un petit travail. Bon, c'est pas comme de l'autre côté que je peux dormir là, tranquillement, j'attends un record.
ici déjà, il y a seulement quelques pieds qu'on peut dormir tranquillement, mais la majorité, on va encore devoir beaucoup travailler. Bon, pas beaucoup travailler, faire encore un léger travail. Donc, je vais juste faire la propriété. Mais pour que je fasse la propriété, il faut que les plantes se lèvent encore. Ouais, se lèvent encore avant que je commence à mettre la propriété. Je vais filmer encore ce pied de poivier. Waouh, le poivier se pèse au moins sur 90 à 100 kilos déjà. Il peut me donner par an au moins sur cette année, il peut me donner, quand j'estime là, au moins 6 kilos. Ouais, c'est ça, 6 kilos. On va faire encore, vous allez voir. Comme je l'ai dit, il y a une technique que je vais vous montrer, vous allez voir. Vous voyez comment c'est gigantesque, non? C'est ça, c'est qu'est bien le poivre. C'est que tu dors, l'argent entre. Hein. Depuis l'heure de travail, même plus lui. Ah, le petit pied ici. Ouais, le petit pied ici. Lui, là, il va donner, on va récolter ce que ça va donner. On va faire avec. Voilà. Bon, ça, je vais vous montrer notre espace qui nous a un peu menacé. Voilà, on a eu des difficultés. Mais déjà, le sourire est déjà au rendez-vous. Vous voyez, les plantes, toutes les plantes. Vous voyez, j'ai tout remplacé, vous avez vu, non? Partout là, il y a les papayes, partout là. Et vous pouvez avoir une difficulté, vous pouvez avoir des difficultés dans vos projets, mais n'abandonnez pas, vous abandonnez, c'est que c'est là où vous avez perdu, vous voyez. La perte est dure, mais faites les efforts, vous voyez là, faites les efforts. Comme par ici derrière là, c'est bon jusqu'à ce niveau là, il n'y a pas de problème. Faites les efforts, vous voyez un peu. Quand vous allez prendre, quand ça va prendre, ça va vous donner davantage. Parce que si ça ne prend pas, vous avez perdu. Si ça ne prend pas, vous avez perdu. Mais si ça prend, au moment où vous le laissez, vous n'êtes plus. Vous ne devenez même plus. Quand ça a pris, quand un arbre est enraciné, c'est fini, hein? Elle va donner l'ombre. Donc arroser la plante, est-ce que son ombre peut vous permettre de vous reposer? Mais quand la plante n'est pas encore bien, si l'ombre de la plante ne vous permet pas de vous reposer, ne vous reposez pas. Continuez toujours à travailler. Après, le moment viendra où vous allez vous reposer. C'était ça un peu la leçon du jour. À partir d'aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes quoi? Nous sommes aujourd'hui dimanche. Hein? Je fais un peu de sport en venant visiter les plantations pour voir à quoi ça ressemble. Mais déjà, quand je vois là, je vois qu'il n'y a rien à signaler. Vous voyez un peu? Il n'y a rien à signaler. Tout est bon. Tout est ok. Vous voyez comment ça se porte déjà très bien. Hein? Avant, je ne pouvais pas voir les plantes comme ça. Mais c'est là, comme j'ai déjà dit, je ne peux pas me permettre de faire encore les herbicides ici comme ça. J'ai eu une première leçon, maintenant j'ai tiré de cette leçon là. Et je vais, je sais ce que je vais faire pour les prochains herbicides, les prochains traitements. Vous voyez, si ça dépend de moi, parce que si je vais nettoyer la main, le sarclage va me revenir un peu plus cher. Et l'herbe va encore grandir rapidement. Vous voyez, donc il faut réfléchir ici avant de prendre certaines décisions à ce niveau-ci. Bon, je laisse d'abord, comme je vous ai dit, je laisse d'abord les plantes d'abord se développer encore plus. Ouais, vous voyez, non, ça se développe encore plus, ça se lève davantage. Quand la taille de ces plantes-là vont augmenter, là maintenant je vais. L'herbe va aussi, parce que l'herbe aussi grandit aussi, hein, l'herbe grandit, il ne faut pas oublier. Là maintenant je vais prendre des bonnes mesures pour que le champ soit propre à tout jamais. Parce que quand le champ sera propre, ça sera à tout jamais, comme de l'autre côté là-bas. L'herbe ne va plus grandir parce que les papayes vont empêcher l'herbe de grandir. Et c'est ce que je fais. Ça va empêcher l'herbe de grandir. Donc, ici, l'herbe, on va laisser ça comme ça. Comme je dis, on va laisser ça. Ça ne dérange pas. Donc, il ne faut pas. Ce n'est pas un problème. Juste, on a eu une première alerte qu'on ne peut pas blaguer avec. Voilà. Maintenant, les prochains traitements, on va faire les efforts de. Vous voyez comment on m'a cassé. On m'a cassé un peu les papayes là. Ah, c'est ça les erreurs, les déchets techniques. Ok. Vous voyez comment ici, là j'ai laissé l'herbe, ça fait grandir. Alors, il faut savoir que l'herbe, ceci là, ça c'est un fertilisant. Lui il nourrit le sol, un fertilisant bio. Bon, aussi lui il nourrit le sol, mais je n'aime pas le voir dans ma plantation. C'est ça aussi le problème. Je ne sais pas ce qu'il veut faire ici. Je n'aime pas le voir, même s'il nourrit le sol. Je n'aime pas le voir dans ma plantation. Il est nuisible. Il est vraiment nuisible. Il occupe beaucoup d'espace. Pour rien. Voilà, vous voyez comment il a gâté mes lettres de poivre là-bas. Ok, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui à partir du numéro 2. Vous voyez, on a vu ensemble comment les plantations se portent déjà et tout ce qui va avec. Donc, ici nous sommes là tranquille. On va mettre la propriété ici pour éviter encore que l'herbe ici n'envahisse
davantage. Ouais, on va mettre la propriété pour éviter. Donc, comme je l'ai dit, le cash flow. Ici, il y a bientôt, d'ici 4 mois à 5 mois, on sera en totale production. D'ici 4 à 5 mois, on sera en totale production. Et ça qui est bien avec l'investissement agricole. On a investi une fois, mais après, on va dormir comme on dort là-bas. On va plus travailler ici pour cette valeur-ci. On va se concentrer pour d'autres actifs. On fait autant que possible. Ça devient notre jeu. Oui, ça devient notre jeu. Quand on commence à investir, l'investissement est un jeu quand on maîtrise. Ça devient un autre jeu. Et c'est ce qui est bien avec ça. Vous voyez un peu, non? Alors, c'est ça l'investissement agricole. L'investissement agricole, c'est ça. Donc, on investit un peu. Et puis après, l'argent commence à couler tout seul. Vous voyez un peu. Et puis maintenant, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on prend ça comme une distraction. C'était ça, les amis. C'était ça, la leçon numéro 2. Et ça, c'était la patrouille numéro 2. On voit un peu. Bon, sur ce, à une autre vidéo, à une autre patrouille.